Un des défis qui se pose aux législateurs, c'est de cerner soigneusement cette espèce de zone grise, de no man's land, pour éviter que l'intervention d'un mécanisme juridique, voire judiciaire, avec toutes les rigidités qui sont inhérentes à ce qui est le droit et l'application judiciaire du droit, n'engendre des conséquences inattendues et peut-être non souhaitées sur le plan des relations intra-syndicales, des relations entre pans différents de la société, et ne finissent par être une entrave à un certain type.